bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 12 de notre incroyable aventure sur Resident Evil 3. Et comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, mettez un casque ou des écouteurs, mettez la meilleure qualité possible, quitte à attendre un tout petit peu, histoire de bien charger la vidéo et surtout, bah kiffer. Kiffer, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble, à moins que derrière cette porte ça soit le boss final et déjà la fin, je doute, mais sait-on jamais. On est reparti pour la suite donc de notre aventure. Ça y est, on était déjà parti du Nest, le Nest 2. On est encore dans une sorte de sous-sol, c'est terrible. Je sais pas où ça va nous ressortir tout ça. Et j'avais un inventaire littéralement plein. Donc par conséquent, on va pas être boubours, on va tout bien poser. Alors, on pompe, je garde sur moi, sait-on jamais. Ça, on dépose les 3. Un soin, ça, hop, on garde le vaccin, évidemment, sait-on jamais. Ça, c'est plutôt pas trop mal pour le coup, donc je vais garder, ça fait pas mal de balles, on va même le recharger. Je vais récupérer ce qu'il y a derrière, donc on a quoi? Voilà, on a une poudre supérieure et un spray qu'on va déposer de ce pas dans, hop, voilà la caisse. Et j'ai ceci, alors, voilà ce qu'on va faire, on va faire ça déjà, ça sera pas mal. Très bien. Ok. On prend direct. Voilà, c'est très très bien. Et puis on va déposer. J'ai énormément de trucs en vrai. C'est beaucoup trop insane. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben non, on va juste le déposer en fait. Honnêtement, ça nous servira clairement à rien. Désolé de faire ma tambouille comme ça là. C'est vrai que j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire avant. My bad, c'est ma faute. Hop, voilà, on recharge ça très très vite. Hein. Tout va très très vite. Eh ben on est très bien. On est méga bien. Mais attends, c'est pas possible. Il y a le boss de l'autre côté ou quoi, frérot? Allez, on y va, on continue. Bonjour! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah! Je reconnais, bah ça c'est l'endroit, c'est caca. C'est caca. Qu'est-ce qu'on a là? Oh non, mais les... Attends, frère, tu m'as demandé les combien? C'est pas possible. Comment on va faire combiner? Ouais. Bon, on va en utiliser deux, histoire d'essayer d'équilibrer un peu tout ça. Ça va swinguer là-dedans, hein. Ça, c'est une arène, hein, frérot. Hein, je te le dis, hein, je te le dis direct. Hein. C'est taillé comme une arène. Ça ressemble à une arène. Ça porte le nom d'arène. Je pense que c'est une arène. Ok. Qu'avons-nous ici? Nikolai, non! La ville a besoin de son vaccin! Plus que moi? Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. Oui, je sais, pour toi, la vie, ça n'a pas de prix. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Faisons un marché. Descends là-dedans. Affronte le Némésis, et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Assure le spectacle, et j'aurai peut-être pas besoin du vaccin. Deal ? Bien ! Bon ! On peut dire que ça va littéralement swinguer, c'était sûr les gars, putain ! Dans ta gueule. Dans ta gueule aussi, rien à foutre. Frérot, je sais pas, t'es qui? Si, je sais qui t'es en fait, mais. Oh. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Tiens. Ok. On fait des petits tours, hein, les gars d'arène, comme ça. Hein. C'est toujours très sympa. Aïe! Bien joué. J'ai détourné le regard. C'est entièrement de ma faute. Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Hop, petite esquive. Hop, c'est une cartouche. Deux cartouches. Hop, c'est une esquive. Et ça c'est direct dans la gueule. Ça aussi. C'est Bibi qui régale, mon frérot. Là, c'est moi qui donne la sauce. C'est toi, Carlos? Non, bah non. T'es vivante. Laisse-moi te guider. Bonne idée.
Ok. Aïe. Très bien ça. Très bien. Très très bien, je fais quoi moi? C'est totalement débile. J'ai pas saisi l'opportunité. Ok. Ok. Attention, t'as de la compagnie. Ouais. Oh non, tu déconnes. Mais on est là les frérots. Le réservoir 2. Faut compter ou quoi, les gars? Numéro 2. Aïe. C'est bon. Ok. Aïe. Non. Non. Mais pas déjà. C'est du one shot. Ok. C'est du one shot ce boss. Oh là là. Oh quoi, non. C'est bon, je suis vivant. Je suis en vie. Non, arrête. Non, ça c'est injuste ça, monsieur. Ok, petite esquive. Ok. J'ai peur. Attends, frérot. Enfin, serait. Numéro 6. Ok. Aïe. J'ai niqué une balle de Deagle dans le vide. Ça fait mal, ça fait mal. Ok. C'est pas possible, esquive. Putain, gros. Waouh. Ok, on va devoir un peu mieux se préparer. Oh, c'est dur, ça va être dur. Ça va être dur. On va un peu mieux se préparer. Let's go, on est reparti. Alors, je commence à comprendre tout l'intérêt et tous les problèmes que nous allons avoir. Comment on va faire? C'est déjà le boss final? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, on a une note. Centre d'élimination. Consigne du centre d'élimination. Ce centre a pour but la dissolution et l'élimination des cobayes ayant servi dans le cadre des expériences du Nest 2. Grâce aux puissants solvants utilisés, toute matière biologique présente dans la cuve sera complètement dissoute et prête à être éliminée. Merci de suivre toutes les consignes de sécurité lors de l'utilisation du centre d'élimination. Assurez-vous qu'aucun employé ne se trouve dans l'enceinte lorsque vous démarrez le processus de dissolution. Et assurez-vous d'utiliser la quantité réglementaire de solvant, peu importe le volume ou la masse à éliminer. Même si un cobaye se comporte violemment, n'interrompez pas le processus d'élimination. Laissez l'enceinte remplie pendant au moins 12 heures, puis vérifier la dissolution, est achevée avant de procéder au drainage. Ouais, c'est une petite lecture comme ça, on se fait des petits plaisirs. Ici, c'est très mécanique, ok. Ok. Hop, petite esquive. Hop, petite esquive. Allez. Ok. Hop, petite esquive, c'est beau ça. Ça c'est que de la cascade. Petite esquive. Ok, c'est très très beau ça. Jill, c'est toi. Carlos. T'es vivante. Laisse-moi te guider. Bonne idée. Ok. Laisse-moi te guider. Très très bien. Très bien. Ok, ok. Là, on va prendre le Deagle, les frérots. Ça va swinguer. Attention, t'as de la compagnie. Très bien, j'ai noté. J'attends qu'il atterrisse. Il est derrière le réservoir 3. Très bien, et tu veux que je fasse quoi? Numéro 3. Oh, j'esquive, non, sort juste. Injuste, 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 injuste. Ok. Esquive. Ok. Esquive. C'est beau ça. Esquive. Oh, salopard. Ok. En voilà d'autres.
Ouais, ouais, ouais. Numéro 5. Ok. Ok, d'accord, d'accord, let's go. C'est pas ce que je disais. Continue. Ok. Bah, je suis en danger. Ça c'est chaud à esquiver. Ça c'est grave chaud à esquiver. Quoi, mais arrête ce frère. Ok. Oh non, c'est injuste. Ok. Allez frérot. Allez frérot. Y'en a d'autres qui arrivent. Là je te régale. Attention. Ok. Non, c'est pas esquive ça! Ça va être dur. Non, c'est injuste, c'est injuste. Le monde est parfois injuste. Et nous sommes dans un monde injuste. Ok. Non, c'est injuste! Merde! Oh là là, quel enfer! Ok. J'ai plus rien. On voit la nôtre. J'ai compris. Numéro 4. Allez, go. Go, 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 allez. Régalez-moi, là. Ah, non. Nickel, tout va bien. It's ok. Je t'envoie la grue. Accroche-toi, elle. On va tout recharger. On va prendre les grenades explosives. Ça sera plutôt pas trop mal, ça, je pense. Faut que je récupère le vaccin. Pistolet, c'est fait. Pompe, on va tout reload. Deagle, il me reste 6 balles. Ce qui est, on va pas se mentir, plutôt pas trop mal. On peut y aller. Let's go. À l'ancienne, hein. On va y aller au peupon. Ça va swinguer. Ah, une petite save. Ça, ça fait plaisir. Ok, on a des trucs pas mal. Ça régale. Ça régale. Allez, frère. Alors, spécification d'une arme. Texte barré, nom du projet, ferromagnétique, Infruzy. Bon bref, vous avez compris, lisez-le vous-même, nom de code Finger, d'accord. En collaboration avec l'armée des États-Unis, calibre 60, vitesse, on s'en fout. Objectif du projet, suppression de nouvelles armes biologiques en cas de crise. Note additionnelle, l'extrême puissance de feu a pour deux avantages d'éliminer complètement la cible sans laisser aucune trace. Commentaire des utilisateurs, cette arme est dingue. Un tyran dépasse les bornes. Un coup de finger et le problème est résolu. Possède la puissance de feu dont nous avons besoin. Ce serait encore mieux s'il y avait moyen de contrôler sa puissance. La mobilité peut s'avérer problématique sur le terrain. Peut-être que sa plateforme pourrait être améliorée. Il nécessite plusieurs sources d'alimentation, ce qui peut être difficile à obtenir en pratique. Est-il possible de réduire cela à une seule source d'alimentation? Bon. Clairement on a pris notre part un peu de tous les côtés, si je puis me permettre. On prend tout ce qui est poudre, on va faire toute notre petite popote ici. Poudre supérieure, on prend ça, on prend là les gars, on fusionne, on se régale. Ici c'est que de la régalade. Combiné, voilà, et combiné, c'est pas mal. Et on va combiner ça ici. On a un soin max. En vrai, on sait pas trop à quoi s'attendre. On va en prendre... On va en prendre encore un.
Attendez, déposer. Eh les gars, tous les sprays trouvés, on les a gardés. En soi, c'est plutôt cool. On va save. Et on continue, évidemment. On continue, bien sûr. En tout cas, le Nemesis, c'est terminé. Hein. Plus de son, plus d'image, ça dégage. Ok. Huh. Très bien. Ça ressemble à une arène. Ça a le nom d'une arène. On fait ce qu'on fait dans une arène. Je pense que c'est une arène. Très bien. Let's go. C'est fait. Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure. Oh non. Tu faut de l'or. Et j'aime ça. Je crois que notre partenariat est fait pour durer. Allez, jette ton flingue. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi incroyable? Détonner là-dessus pourrait valoir des milliers. Mais... Ah... Je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix. Bonne chance! Nikolai! Jill! Cours après Nikolai! Il a le vaccin! Et toi alors? Écoute, on n'a plus le temps là! Je vais y arriver! J'ai pas de doute là-dessus. T'as vu la taille? Je te préviens! Cette fois, ce sera la dernière fois! T'as vu la taille du bestiau? Attendez! Waouh! Mais je suis pas... On n'est jamais préparé à ça, frère! Allez! J'ai des soins! J'ai des munitions de pompe! Oh là là! J'ai des munitions de magnum, c'est parti! Hein. Allez! Hop, t'emmènes ça en enfer, mon frérot! Ah oui, d'accord! Ah ouais! On en est là! Très bien! Refroidissement! Veuillez réactiver les sons. Quoi? Merde! Faut le recharger! Mais quel enfer! Quel enfer! Allez. Aïe! C'est rien. C'est normal. Ça fait mal, on reste debout. Ok, je suis totalement mort. Bon, j'ai repéré des sortes de grosses pustules. Je pense que si je focus ça, ça devrait pouvoir le faire. Ok. Allez, premier coup. Zobarier. Ça c'est fait. Bon. Bah, on est reparti en enfer. C'est énorme. Ils font toujours plus gros. Le gars, il évolue tout le temps. Terrible. Les gars, on est parti d'un Nemesis qui était dans la street, tu vois. C'était la rue, la vraie. Ok. D'accord, je commence. Ah ouais, ok. C'est un tacle à la gorge. Aïe! J'ai essayé. De toute évidence, c'est pas la bonne technique. Ok. Allez, dépêche, s'il te plaît. On a le temps de le faire entièrement. Let's go. Deux sources d'alimentation à activer. Let's go. Oh.
Let's go, let's go, let's go. Allez, s'il te plaît, qu'on ait le temps de faire les deux. Surtout si on doit le faire deux ou trois fois. Je vois déjà des sources derrière activées. Vas-y! Je te mettrai à terre autant de fois qu'il le faudra! Puissance insuffisante. Oh non. Veuillez activer les sources d'alimentation. Ah oh non, oh non, c'est illégal ça, monsieur. Oh non, oh non. Oh non. Ça me rappelle mes soirées en boîte de nuit. Oh, je vois pas, je vois pas! Je prends. Ouais, bah oui, c'était sûr, c'était sûr! Beaucoup trop fort! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, 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 au moins une. Et normalement, c'est bon, on n'en parle plus. Beaucoup trop loin. Allez, s'il te plaît. Toutes les sources d'alimentation sont activées. Je prends un coup, c'est terminé. Tu crois que je sais pas comment te calmer ? Je prends un coup, c'est terminé. J'ai peur. Là, c'est une journée en enfer. Oh, ça, c'est bon! Let's go! C'est pas clair! Ça marchera jamais en premier! N'oublie pas le like, c'est bon! Allez, on reste amis! Bien sûr qu'on reste amis! Bien sûr! Regardez, il y avait un soin ici, MDR. Incroyable. Il y a un soin. Il me reste 4 balles de magnum. C'est très, très beau. Mais en fait, il y avait tout ici, monsieur. Eh, avions-nous vraiment besoin de tout cela? On va se soigner. Imagine, parce que là, je meurs. Je me frotte à ses pattes et je meurs. Ce serait quand même incroyable. Et ça serait très, très chiant. Bon. Normalement, là, s'il revient, je ne comprends pas, en fait. Oh là là, mais regardez tout ce qu'il y avait. J'avais même pas besoin de tout ça. J'avais même pas besoin de tout ça, je suis désolé. Je suis désolé, c'était beaucoup trop simple. Et là, on a rien d'autre, on sait jamais, on fout tout. Parce que c'est pas fini, il reste Nikolai. Ouais, là, les gars, il reste plus rien de lui, hein. Regardez, regardez. Ça a traversé son corps, le gars. Ok. Ah, peut-être, ok, là, on a quelque chose. Ouais, ça fait un beau trou. Ça, je reconnais, les gars. Ça, c'est un très beau trou, ça. Ok, on va passer par ici. On est reparti au moment de The Bandier. J'arrive, mon petit Carlos. Reste avec moi, mon frérot. Caca, comme j'aime l'appeler. Ok. Ah, attendez. Note sur un contrat louche. Grande ligne du contrat. Réception d'une offre d'un client cherchant à profiter de la crise actuelle de Raccoon City pour compromettre... Umbrella Corporation et obtenir des parts de marché par différents moyens. A. Sabotage des tentatives d'Umbrella Corporation de détruire les preuves de l'épidémie afin de maximiser leur culpabilité. B. Provocation de rencontres entre les armes biologiques d'Umbrella Corporation et les forces de l'ordre et collecte des données de combat pour tester la viabilité des technologies. C. Compte rendu du déploiement de nouvelles armes biologiques éventuelles, y compris le projet Nemesis. La rémunération est supérieure à l'offre actuelle d'Umbrella Corporation et devient la priorité absolue. Cependant, le client accorde un délai de grâce avant d'utiliser les données livrées pour que le paiement d'Umbrella Corporation puisse aussi être perçu. Et bien c'est très bien. Let's go. Let's go, let's go. Ça me semble être un grand couloir tout ça. Ok. Mais non, bien sûr que non, on va le rattraper, t'inquiète pas. Mais oui, c'est le frérot Carlos. Oh là là, ça va encore évoluer, ça va encore swinguer de tous les côtés. Attends, y'a rien de l'autre côté?
Ça, on dirait Resident Evil 2. Ah, en fait, c'est... En vrai, c'est un NES construit comme le Nest 1, tout simplement. Je pense. Ok. En tout cas, ça ressemble, c'est la même plateforme, limite le même ascenseur. Peut-être qu'ils l'ont repris, hein, parce que Resident Evil 2 et 3 se faisaient en même temps. Allez. Je sais pas ce qui va se passer, je pense qu'il va muter le Nikolai. Je pense qu'il va muter, il va y avoir encore un boss. Pas de save, c'est bizarre. Oh non. Tu m'arrêteras pas. Je t'ai promis ça, pas vrai? Moindre idée de ce que tu viens de faire? Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile dans 10 minutes. Le missile est parti. Et je dois décoller. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Jill! Vas-y, tire! Je peux pas! Je vais te toucher! Allez! Il le faut! On n'a pas le choix! Vous gifiez la tête, c'est injuste! Les choses ont un prix, tu sais. Même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles? Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu voudras. Imbécile! Imbécile! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité! J'ai rien contre une petite enquête. Bien. Voilà. Terminé. Adieu, Raccoon. Une sensation de vide, de froid m'a envahi, malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une bonne fois pour toutes. Et c'est la fin de notre aventure. J'espère en tout cas que clairement ça vous a plu. Alors,
Il y a pas mal de choses à dire sur ce Resident Evil. Désolé pour mon nombre d'FPS, le compteur d'FPS qui est resté toujours affiché en haut, à gauche, sur les deux derniers épisodes. Il y a pas mal de choses à dire, mais je suis globalement satisfait. Ils ont travaillé sur ce Resident Evil 3 en parallèle du 2. Clairement, le 2 n'a pas été bâclé. Le 3, apparemment, voilà, les grands fans et ceux qui ont fait l'opus original l'ont trouvé bâclé parce qu'il manquait deux niveaux relativement importants, une sorte de cimetière et je ne sais plus trop quoi. Moi, par chance, je n'ai jamais fait l'original de ce Resident Evil 3. En tout cas, jamais fait en entier, évidemment. J'ai toujours fait le début et je m'arrêtais toujours qu'au début. Mais en tout cas, bah, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que, regardez, il y a un an, on était sur Resident Evil 2. Il y a encore un an avant, on était sur Resident Evil 7. L'année prochaine, on sera peut-être sur Resident Evil 8. Resident Evil 4 Remake a été annoncé. Je veux dire, on a un Resident Evil tous les ans. Ça me fait vraiment plaisir. Vous proposer une aventure horrifique tous les ans sur un Resident Evil. Quel bonheur, quelle satisfaction. Et on a fait Resident Evil 4 il n'y a pas très longtemps, qui est déjà disponible sur ma chaîne en 2K, me semble-t-il d'ailleurs. N'hésitez pas à aller checker Resident Evil 4 à l'ancienne en HD sur cette même chaîne. Et puis là, il y a le 4 Remake. Alors le 4 Remake, j'avoue qu'ils peuvent en faire un remake incroyable avec des jeux de lumière, des trucs vraiment de fou qui nous replongent dans une horreur dans ce petit village espagnol. Ça peut être insane. J'espère vraiment que Resident Evil 4 Remake sera à la hauteur. En attendant, bah pour ne pas malheureusement avoir fait l'original, j'ai aimé. Et j'espère sincèrement qu'ils attaqueront le remake de Resident Evil Code Veronica avec ma petite préférée, évidemment, Claire Redfield. Ça serait insane avec les graphismes actuels et le moteur, le nouveau moteur qu'ils ont développé et qu'ils utilisent depuis Resident Evil 7. En tout cas, j'espère que cette petite aventure vous a plu et permettait d'attendre la sortie de The Last of Us 2. Malheureusement, vous connaissez les conditions actuelles. Bah, c'est compliqué pour tout le monde. Mais en ces temps de confinement, ça fait du bien. Ça fait du bien de toucher un Resident Evil. Ça fait du bien de vous proposer une aventure horrifique. Ça permet un petit peu de respirer, de voir un autre air et de se replonger après dans d'autres aventures, pourquoi pas. The Last of Us 2, évidemment que je vais le faire. Évidemment que chaque épisode sera en 4K, 60 FPS sur cette même chaîne. Et évidemment que, comme d'habitude, je compte sur vous pour être présent et suivre cette nouvelle aventure qui risque d'être littéralement insane. En attendant, cœur sur vous, faites très attention à vous. Restez chez vous pour le moment encore, malheureusement, mais c'est pas facile. C'est difficile pour tous, c'est une première pour tous, mais faites-le. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure horrifique, The Last of Us Part 2. En attendant, j'espère que cette aventure vous a plu. N'oubliez pas le dernier like pour cette aventure. Et n'oubliez pas le dernier commentaire et le dernier partage. Gros bisous. Et merci à tous ceux qui me suivent. Vous êtes incroyables et cette musique aussi est incroyable et elle rend tout ce que je dis totalement émouvant. Alors qu'il n'y a aucune raison. Allez, gros bisous. Je vous aime. Et prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour une nouvelle aventure horrifique. La prochaine sera The Last of Us Part 2. À très vite. Bisous, bisous. Ciao, ciao.